Lors de la fête du printemps, les paysans profitaient de ce moment de l'année pour faire des vœux, pour une bonne récolte. Fixée la deuxième lune, elle fait partie d'un cycle de 12 années, soit 12 rameaux terrestres, chacune correspondant à un animal. Rat, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, bélier, singe, coq, chien, cochon, bœuf. Le soir de la veille de la fête et les trois premiers jours du premier mois sont les plus importants. Lancer des pétards est l'une des traditions représentatives de la fête du printemps. Les éclats des pétards peuvent chasser les démons et on prie au son des pétards pour la paix et le bonheur. La fête du printemps est la plus grande célébration de ce type en Chine. À ce que l'on sait, elle était à l'origine un sacrifice que l'on faisait en hiver dans la société primitive. Entre la fin de l'hiver et le début du printemps, le clan tenait une grande réunion où les participants apportaient des produits de chasse, de pêche et agricoles. Ils sacrifiaient ces aliments en remerciant Dieu, puis les ancêtres, pour la bénédiction accordée à la nature. Après la cérémonie, ils partageaient les offrandes tout en dansant et chantant.